qui mangeaient des excréments pour avoir une vie plutôt luxueuse, on va dire. Mais après, la vidéo que je vous ai montrée au début, bon, l'image de la vidéo que je vous ai montrée au début a circulé sur les réseaux sociaux pendant un certain moment. Et ça montre une femme qui est en train de manger les excréments d'un homme directement. Genre, le monsieur est en train de faire caca sur elle directement et elle mange ça sur place, en fait. Alors, pour toutes ces petites filles qui pensent qu'aller à Dubaï tout le temps, c'est quelque chose de facile. Oui, moi aussi, je vais aller à Dubaï, je vais acheter des sacs de Vuitton, je vais acheter des Hermès, je vais acheter des ceci. Sache que les influenceuses qui partent là-bas, là, ils vivent l'enfer. Ils vivent un enfer pas possible pour avoir toutes ces choses-là. Tu vois, souvent, on voit les influenceuses, ils vont s'élever. Tu vois, souvent, on voit sur les snaps que oui, ils sont allés à Dubaï comme ça. Tu penses que oui, ils partent là-bas parce qu'ils veulent passer des vacances, ils ont l'argent. Non. Ils partent chercher l'argent, ils partent pointer l'argent parce que le stock est fini. Tu vas les voir en train de faire les films, les comédies. Tu vas te dire que non, c'est là-bas qu'ils prennent l'argent. Non, c'est à Dubaï qu'ils partent prendre leur argent. Tu vas les voir en train de partir à Dubaï, faire 3 jours et puis revenir. Ils vont dire oui, j'ai passé des bonnes vacances. Mais entre vous et moi, là, qui part à Dubaï, fait 3 jours, ils rentrent et ils disent qu'ils ont passé des bonnes vacances. Ils partent là-bas pointer leur argent. Il y a d'autres même qui vont tomber sur des personnes qui vont être un peu cléments. Et puis ils vont dire que bon, on va seulement coucher ensemble et puis bon, ça va. Mais il y a d'autres là qui passent par un autre enfer qui n'est pas possible. J'étais sur TikTok dernièrement et puis j'ai vu une Ghanéenne qui racontait son histoire. Et elle disait qu'il y a de cela 3 ou 4 ans, elle était partie aussi à Dubaï. Mais avant de partir à Dubaï, elle avait vu une influenceuse sur les réseaux sociaux qui partait toujours à Dubaï. Elle avait toujours les choses chic, les sacs.